Monsieur le ministre de la Santé, les professionnels soignants ne cessent d'alerter sur la dégradation de leurs conditions d'exercice et sur les inégalités de santé en France. Inégalité sociale, avec 13 ans d'écart d'espérance de vie entre les plus riches et les plus pauvres. Inégalité territoriale, avec 2 ans d'espérance de vie en moins pour les habitants des zones rurales. La désertification médicale est une réalité. 15% des Aveyronnais n'ont pas de médecin traitant. Dans l'hôpital public, on est proche de l'effondrement. Les urgences doivent garantir une égalité de traitement pour les populations. Or, dans certains hôpitaux, comme à Decazeville, les urgences sont régulées depuis l'application de la loi RIST. Concrètement, tout patient, tout professionnel de santé est obligé de joindre le 15 avant de se déplacer ou d'orienter un patient aux urgences. Certains sont renvoyés vers un autre hôpital situé à plus de 45 minutes. Cela génère des angoisses et met en danger les patients. Le système devait être provisoire, mais il s'installe et les urgences pourraient être complètement fermées certains jours. Le personnel est écœuré de ne pouvoir faire son travail correctement en raison du retrait de l'État. Ils sont épuisés. Jusqu'à quand tiendront-ils ? Entre 3 000 et 5 000 médecins titulaires d'un diplôme de médecine hors Union européenne, exerçant dans notre pays depuis des années, seraient contraints de raccrocher en début d'année prochaine en raison d'un manque de postes ouverts par votre gouvernement. Vous stigmatisez les travailleurs étrangers qui participent à faire tenir notre pays debout et vous videz nos hôpitaux de leurs médecins alors que la situation est proche du chaos. Écoutez nos propositions de bon sens. Saisissez-vous de la proposition de loi transpartisane visant à réguler l'installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux. Étendez aux établissements privés le plafond de rémunération des médecins intérimaires du public. Ma question est très simple. Allez-vous enfin agir pour garantir l'égalité d'accès à la santé et sauver l'hôpital public ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. En effet, le centre hospitalier Pierre Delpech à Decazeville connaît de lourdes difficultés pour maintenir le service d'urgence, mais pas simplement depuis la loi RIST, parce que cette loi portée par la rapporteure générale, elle était indispensable, elle était utile, parce qu'on avait des mercenaires qui portaient... Alors... Un service d'urgence. Bon, monsieur le ministre, allez-y, laissez-le parler, s'il vous plaît. L'hôpital de Decazeville fait partie de ceux pour lesquels, monsieur le député, pour répondre directement à votre question, nous nous battons au quotidien avec les personnels médicaux et notamment avec le chef du service des urgences auquel je veux rendre hommage, le docteur Becker. Aujourd'hui, Decazeville, ça n'est pas un hôpital qui est en train de mourir. C'est un hôpital sur lequel nous réinstallons le service de mammographie. Nous allons annoncer des investissements pour le reconstruire après l'incendie qui a eu lieu il y a quelques années. Il y a des consultations avancées à partir de l'hôpital de Rodez. Et nous nous battons pour remettre en place un service de chirurgie ambulatoire. Mais oui, notre combat quotidien, le combat quotidien de l'ARS, mais aussi des professionnels de santé, c'est de permettre la tenue de ces lignes d'urgence. Et là, monsieur le député, je dois vous rappeler une règle simple. Aujourd'hui, toute urgence vitale qui se présente devant le centre hospitalier de Decazeville est accueillie. Toute urgence vitale est accueillie. Merci. Par contre, en effet, nous avons mis en place une régulation par le centre 15 pour dégager les services d'urgence d'une partie des rendez-vous. Merci, monsieur.